Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle série de vidéos qui s'appellera e-game. C'est tout ce que j'ai trouvé en fait. Le i pour internet et le game pour jeu. Ouais, je trouvais que e-game ça faisait mieux que e-jeu. Je te laisse imaginer. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle série de vidéos qui s'appellera e-jeu. Donc le e-game c'est quoi? Ce sera une série de vidéos sur les jeux proposés par la loterie suisse romande, mais en ligne. Nous voilà donc sur la page en question, et voici les jeux qui nous sont proposés. On a Le Chanceux, qui est le jeu du mois, mais bon, ça, on s'en fout, hein, on pourra très bien le faire dans 2, 3 ou 6 mois, ça n'a aucune importance. Ensuite, on a Le Jungle et le Colors, que je connais pas du tout, et le Podium, que j'avais déjà testé en ligne dans une ancienne vidéo. Sans succès, d'ailleurs. Suivi du jeu Vacances, qu'on va d'ailleurs tester aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt approprié. L'été et le soleil arrivent bientôt. Ça, on l'espère tous. Donc, bah, autant gratter un ticket qui s'appelle Vacances. Ensuite, et oui... On a un astro aussi en Suisse. On continue avec le lingot. Là, on commence à rentrer dans des jeux à 10 balles. Pour continuer, on aura le Multimo et le Baraka et le Monopoly. Et là, on arrive en fin de liste. On aura le Solo à 5 francs, le Mago à 4 francs, le célèbre Tribolo à 2 francs et un jeu à 1 franc qui s'appelle le Pinata. Donc, comme convenu, on va se faire les tickets Vacances. En espérant justement pouvoir s'en payer de belles. Force de dire ça, j'ai pas bougé mon cul. Tiens, ça me rappelle un commentaire. Donc j'ai fait une mise de 20 francs, ce qui nous fait 4 tickets. Alors c'est parti pour le premier. Donc là, bah, y a pas de grattage et pas de poussière à débarrasser sur le bureau après. Mais est-ce qu'il y aura plus de gains? Allez, on y va, on va découvrir ça tout de suite. On clique sur le premier petit point d'interrogation qui nous fait découvrir une boussole. D'accord, alors on continue. Bon, le jeu en lui-même est pas compliqué, hein. Il suffit de découvrir les symboles, de faire les lignes et de remporter les lignes, comme la plupart des tickets. On continue, troisième symbole, une petite plante qui pousse. Allez, on enchaîne avec un arrosoir. Oh, je vois pas tellement le rapport avec les vacances, là. La plante qui pousse, l'arrosoir, ça me fait plutôt penser à du jardinage. Mais enfin bon, on enchaîne avec le vélo. Alors là, ouais, on serait plutôt dans le sport. Donc, ils m'ont mis deux vélos, hein, super. Alors, on continue avec une coccinelle. Oh, c'est vrai que la coccinelle, ça rappelle plutôt l'été. On enchaîne avec une petite fleur, hein. Ils sont vachement radins quand même sur les symboles. Je vois pas beaucoup de trucs clignoter. Hein. On continue avec un passeport. Alors, ça doit être des passeports suisses. Deux passeports suisses. Mais on en a qu'un en fait. Alors, on continue. Dernière ligne avec un canoë. Alors, un canoë. D'après ce que je vois, là, il me faudrait un appareil photo ou un sac à dos. Hein. Ça serait bien dans les trois derniers symboles. Alors, on continue avec le couteau suisse, le fameux couteau suisse hein, qui... Il m'amène à rien sur ce coup-là. Alors, on enchaîne, avant-dernier symbole, des jumelles, et puis des jumelles, alors... Ben voilà. Et le dernier petit symbole, allez, on croise les doigts pour un appareil photo ou un sac à dos, c'est parti, et on a, je sais pas ce que c'est, un œuf ou peut-être ces espèces de champignons empoisonnés. Donc le premier ticket, c'est perdu, et comme on peut le voir, j'ai pas de gain, et d'ailleurs, il nous le précise bien avec ce petit message, malheureusement, tu l'as encore, donc... Mais... Donc, ben, sur ces précieux conseils, on enchaîne directement avec le prochain billet. C'est parti avec la première ligne et on a trois petits oiseaux. Waouh, alors là, ça commence. On enchaîne directement avec deux tentes et puis une boussole. Bon, ça diminue. 3, 2, 1. Alors là, est-ce qu'on aura signe là sur 0? Attention, non, le couteau suisse, on l'a quand même une fois. Alors, deuxième ligne avec un appareil photo. Et puis un vélo, alors là ça y est, c'est tout par un maintenant. Oh. Et puis on a un deltaplane, je pense, une aile volante, ouais. On s'en fout. Et de nouveau, les passeports suisses. Alors, on continue avec la quatrième ligne et le canoë. Donc maintenant, si on se pense un petit peu sur la grille de jeu, on peut s'apercevoir qu'il nous faut un œuf. J'appelle ça un œuf, mais... Et c'est tout. C'est parti avec une petite fleur. Et là, du coup, maintenant, il nous faudrait aussi un soleil. Alors, deux symboles à trouver. Allez, c'est parti avec la petite coccinelle. Et là, notre fameux œuf ou champignon toxique pourrait nous rapporter deux gains. Alors, c'est parti. On prie carrément des jumelles. Putain, ça fait chier quand même. C'est pas possible, cette merde. On enchaîne direct avec le troisième ticket. Je vous ai épargné le message. Hein. On le connaît tous maintenant. Alors, on y va. Premier symbole, une petite fleur. Ensuite, notre champignon toxique, les petits oiseaux, les jumelles, le soleil et un papillon. Bon, alors, par contre, pour la ligne en diagonale, il nous faut plus que la tente.
et il nous reste la moitié des symboles, ce qui nous était pas arrivé encore jusqu'à maintenant. Alors là, il me semble qu'il y a un petit peu plus d'espoir avec ce ticket. Allez, une tente directe. Non. Hein? Alors, c'est pas grave, on enchaîne avec la coccinelle. Et puis ces fameux passeports suisses, le deltaplane. Alors maintenant les deux diagonales sont possibles, hein, avec la boussole et la tente, et l'arrosoir. D'ailleurs, la boussole et la tente nous donneraient aussi des gains ici. Donc là, ça serait assez monstrueux quand même si tout ça, ça sortait. Allez, une boussole, une tente, quoi. Un appareil photo. Alors maintenant, la boussole, c'est pareil. Elle nous donne un gain ici, un gain ici. Et puis la tente... On peut plus avoir les deux, donc c'est baisé. Alors on continue, une tente, une boussole, un arrosoir. Allez, go. Un sac à dos de merde. Bon. Pour le plaisir, on regarde une dernière fois ce message, parce que logiquement, sur le dernier ticket, ça doit m'annoncer, vous avez gagné. Voilà. Alors ça s'annonce déjà mal, le dernier ticket, il y a les montagnes derrière, ça veut dire que je vais stagner chez moi. J'ai l'impression que c'est une photo qui a été prise depuis mon balcon. Oh là, le gars. Donc ce que vous entendez là, c'est pas un montage, c'est les sirènes, ils font un essai généralement une fois par mois. Alors, je coupe et on revient. C'est là que si ça se trouve, ils essayaient pas, puis il y a vraiment une attaque nucléaire. Merde. Et là, en plus, je découvre le ticket Master Gagnant. Mais bon, ça ne sert plus à rien. Bon allez, à cette connerie. On enchaîne avec ce dernier ticket, c'est parti, on gratte tout ça. Enfin, on gratte. Façon de dire, et on commence avec une coccinelle. C'est mignon. On enchaîne avec des jumelles, notre champignon toxique, j'ai plus appelé ça un œuf, je préfère le champignon toxique. Et puis on finit avec un vélo, enfin on finit pour la première ligne. Un deltaplane, un petit oiseau, un canoë et un soleil. Alors j'ai pas l'impression... Bon, remontons-nous le moral, il nous reste 4 points d'interrogation, avec un couteau suisse. Pour l'instant, je vous fais remarquer qu'on n'a aucune ouverture sur aucun gain. C'est quand même une première, il me semble. On y va avec la petite fleur, toujours la même punition, et le passeport suisse. Ah non, la boussole. Bon. Alors, la boussole, ça y est, elle nous ouvre enfin deux gains avec un appareil photo ou, bah justement, le passeport suisse, que là, j'aimerais bien voir apparaître. Alors, c'est parti, on y va. Voilà, voilà. Là, qu'est-ce que je dis à chaque fois? C'est pas possible. Bah voilà, moi qui pensais changer la donne avec les jeux en ligne... Je dirais que c'est plutôt loupé. Mais bon, on s'en fout comme d'habitude. On va pas lâcher prise et on va même se taper tous les jeux qui sont proposés. Je ferai une mise de 20 francs à chaque fois, 15 peut-être, parfois 10. Donc si on fait le compte, il y en a quand même un paquet, ça fait une belle somme. Merde, mais en fait ça me paierait mes vacances, ça. Putain, je suis con, moi. Non, en fait, je suis juste un joueur, c'est tout. Ce que, bien sûr, je vous déconseille de faire. Sauf si, bien sûr. Donc pour la prochaine vidéo de cette série, ce que je vous laisse faire, c'est que je vous laisse voter pour le prochain jeu qu'on fera. Et si ça ne vous intéresse pas, dites-le moi dans les commentaires. Bah, à ce moment-là, j'en referai une autre quand même. Évidemment, on n'arrête pas les duels et les nombreux nouveaux jeux à gratter qui sortent sans arrêt. Pour notre plus grand plaisir, bien entendu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et santé.